Bonjour tout le monde, ça fait une semaine que nous ne nous sommes pas vus. Et oui, je sais, ça paraît long pour tout le monde et ça paraît normal. Une semaine sans vous, même moi, ça m'a trépassé. Voilà, en tous les cas, cette semaine elle est terminée. Pour ce lundi, on recommence les émissions. Et ça fait 6 jours que nous ne nous sommes pas vus. On l'a supporté, fort heureusement, voilà. Et aujourd'hui, nous allons redémarrer une émission exactement pareille que les autres. Rien ne change à part le générique. Et puis, il y a de la neige comparé aux anciennes émissions. Eh bien, on redémarre les émissions en pleine forme. Allons-y. C'est comme si c'est l'histoire de Pauline est un dérivé du prénom Paul. Le prénom Paul qui est un prénom masculin. Et donc Pauline, c'est le prénom Paul au féminin. Voilà. Donc du coup, c'est un prénom dérivé du prénom Paul. Et on le fête le même jour. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous fêtons le prénom Pauline ainsi que le prénom Paul. Voilà, donc c'est pour ça. Nous fêtons le même jour. Donc, que vous soyez Paul ou Pauline, donc que vous soyez un garçon ou une fille, pour ce lundi, écoutez, pour ce début de semaine, je vais vous souhaiter de passer une bonne fête et une bonne journée, d'accord? Donc, Sainte Paul est née en Rome, donc au bout d'un siècle, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer un bon lundi, en tout cas, et puis, voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous appelez Paul ou que vous vous appelez Pauline, aujourd'hui, c'est votre fête. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé de bons moments en ma compagnie, bien sûr, pour ce lundi, pour débuter une nouvelle semaine. Voilà, écoutez, on va rattraper les moments que nous n'avons pas eu ensemble dans les lives, et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée à tous. Et puis, on se revoit demain pour une toute nouvelle émission avec un nouveau prénom. Bisous à tous!